J'ai ramené les 6 enfants les plus forts de France en motocross. Et le premier parmi eux qui fera le meilleur winning aujourd'hui remportera cette moto d'une valeur de 3000 euros. Wow. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. Les gars, c'est parti. On va faire plusieurs épreuves. Et le plus fort qui remportera le plus d'épreuves repartira directement avec la moto. Mais si quelqu'un tombe, il sera directement éliminé de cette vidéo. On pourra dire au revoir à la moto. Mais avant de commencer les vraies épreuves, on va déjà vérifier que parmi vous, il n'y a aucun imposteur. Personne qui s'est inscrit dans la vidéo alors qu'il n'a pas du tout le niveau. Et on va voir si vous tous, vous savez tous un par un cabré. Imaginez si l'un d'entre eux perd maintenant et est éliminé. C'est directement à la maison, les gars. Ils ont un seul essai. Et si l'un d'entre eux ne sait pas cabré, il devra partir et dire au revoir à cette magnifique moto Yamaha YZ85. On va commencer par toi. Let's go, tu vas devoir faire un winning. Nous montrer que tu sais cabré. J'espère que t'es pas l'imposteur. Parce que les gars, c'est sûr, il y a des imposteurs qui sont aussi incrustés dans cette vidéo et qui veulent vraiment gagner. Montre-nous que tu sais cabré. C'est parti, démarre ta moto. Démarre ta moto. Pour l'enfant qui vient de Montpellier, c'est totalement validé, frérot. T'as réussi à faire un holding, nous montrer, t'es qualifié pour la deuxième épreuve. C'est bon. Mini crypto, c'est à ton tour. Les gars, je les laisse parce que moi j'ai déjà assez prouvé. À toi, Karim, commence. Moi je le fais après, les gars, je vois leur niveau et vu que je suis trop fort, les gars, je leur laisse participer. Vas-y. Ok, c'est Karim, c'est à ton tour. Tu vas nous montrer si tu sais cabrer, voir si t'es pas un imposteur. C'est parti, j'espère que t'es pas un imposteur. Hein. Les gars, Karim, les gars, il a déjà gagné une vidéo motocross. C'est sûr qu'il a réussi à faire un winning, les gars. C'est validé. Il passe à la deuxième épreuve. Là, tu viens de voir, Karim vient de se qualifier. Il est chaud, il est chaud. C'est bon, c'est les gars. C'est bon, c'est parti. On va commencer. On va cabrer, les gars. Let's go. Il a démarré, c'est pas démarré. C'est validé, les gars. C'est validé. Les gars, c'est tout sauf validé. On a trouvé le premier imposteur. Jamais de la vie, les gars. J'ai levé. T'as rien levé du tout, les gars. Je me suis entraîné tout, les gars. C'est trop. Les gars, ça pour moi, c'est pas winning, c'est l'imposteur, les gars. Tu peux directement être éliminé. J'arrête. Moi, j'avais un cross à 3000 euros. Je rate tout. C'est bon, j'en ai marre. Les gars, il est éliminé. Ciao, les gars. Je suis dégoûté. On a réussi à trouver un imposteur. Et le prochain qui va cabrer, c'est toi, Lucas. Il a déjà gagné une vidéo tout comme Karim. Attends de nous montrer. T'as pas perdu ce niveau. C'est parti, Lucas. 3, 2, 1. Lui, les gars, on savait, il a déjà gagné une vidéo moto, tout comme Karim. Donc, lui, les gars, c'était sûr qu'il allait réussir à faire son winning. Les gars, lui aussi, c'est complètement validé. J'ai cru qu'il allait pas réussir à cabrer. Au final, il a réussi à faire un bon winning, donc il est qualifié. Ça, les gars, c'est le dernier participant. Et on va voir si c'est un imposteur ou pas. Les gars, on vient de cramer un deuxième imposteur avec Mini Crypto. Jibril, qu'est-ce qui s'est passé, mon frérot? Moi, je suis pas un mec du cross, moi, je suis un mec du scooter. Faites une vidéo scooter, j'arrache tout. Soit disant, il s'est levé beaucoup de scooters en winning, mais les motocross, c'est pas trop son truc, c'était la première fois. Comment t'as fait pour t'incruster dans cette vidéo et rentrer dans la vidéo? J'étais abonné à la chaîne, tout ça, je suis les crypto depuis un bon moment. Faites comme lui, les gars, si vous voulez participer à la prochaine vidéo. En tout cas, malheureusement, t'es l'imposteur comme Mini Crypto, mais tu vas pouvoir aider les autres, peut-être leur donner des conseils. Va avec Mini Crypto et bien joue à toi. Mais si vous pensez qu'un winning tout simple, ça va leur faire gagner cette magnifique motocross, vous vous trompez. Il faut que vous soyez abonné à la chaîne YouTube et que vous mettez un commentaire sur cette vidéo en disant je participe et on vous tirera au hasard pour que ce soit toi le prochain participant dans la prochaine vidéo et que tu participes à la place de Mini Crypto. Un petit like aussi, ça fait plaisir, les gars. Et pour la prochaine épreuve, vous allez avoir besoin de faire preuve de créativité parce que pour la prochaine épreuve, vous allez avoir 10 minutes chrono pour faire la figure la plus impressionnante, la plus stylée et la plus maîtrisée. Vous arrivez, vous impressionnez. Là, ici, on a 3 juges. Les juges, ils ont des notes. Vous allez passer chacun un par un devant les juges. Vous faites le truc le plus impressionnant pour les juges et plus ça passe bien, plus vous mettrez des bonnes notes. Ce que je vous propose, c'est que vous avez simplement 10 minutes chrono pour créer une figure, pour vous entraîner, et au bout de 10 minutes, chacun vous allez passer, et le but c'est de nous impressionner. Et ce qui est important de cette épreuve, c'est qu'il n'y aura pas un seul éliminé, mais il y aura tout simplement 2 éliminés. Vous faites preuve de créativité, les gars, la meilleure figure, debout sur la moto, allongé Superman, ce que vous voulez, les gars. Et on va être intransigeant, les enfants. Les gars, la meilleure figure, ben, il remporte le challenge. C'est parti, les gars, et ça commence tout de suite, vous avez 10 minutes, et le chrono est déjà lancé. Démarrez, les gars. Pendant ces 10 minutes, tous les participants se sont donnés à fond pour trouver la technique qui impressionnera le plus les juges. Certains ont fait des acrobaties, d'autres se sont entraînés à toucher le sol. 10 minutes, c'était vraiment court pour eux et c'est dans ce moment-là qu'on voit qui est le plus fort. Tous les participants sont derrière moi et on va passer à la seconde épreuve. L'épreuve, les gars, de la créativité. Ils ont chacun eu 10 minutes pour faire toutes les figures qu'ils voulaient. Et normalement, au bout de 10 minutes, chacun a une figure. Tu peux avoir une figure, par exemple? Moi. Sûr? Sûr. Ok, les gars, c'est carré. Là, les gars, c'est parti. Chacun va passer. Je vous ai ramené pour chacun d'entre vous un coach. Karim, il a un coach qui est juste ici. Toi, t'as un coach qui est juste ici. Chacun a quelqu'un de son entourage, de sa famille, un grand frère, un cousin qui a fait de la moto avec eux et qui leur a appris un petit peu la moto. Et chacun va devoir donner des conseils à la personne qui coach. Quel conseil t'as à lui donner avant de passer devant les juges? Il ramène la moto au quartier, c'est tout. Il a GTM, il a pas de conseils, mais ramène la moto. Lucas, t'as un coach, c'est ton grand frère Jimmy. C'est lui qui t'a pris la moto? Ouais.
Quel conseil Jimmy t'aura donné à Lucas? C'est son moment là, vas-y. Est-ce que tu l'as pris une petite figure pendant les 10 minutes ou pas? Ouais, il a pris un petit combo. Ok, c'est parti les gars, on va voir ça. Et je pense que le premier à passer, ça devrait être Lucas pour nous montrer ton petit combo. Non. Si, si, c'est comme ça pour vous. C'est comme ça. Et on passe en premier les gars. Les juges sont juste ici. Si un petit nous impressionne, il aura la meilleure note. Ça peut varier de 7 à 10. Mais par contre, s'il fait vraiment n'importe quoi, il a 2 ou 1. Ou il va 0. Se déchirer et il repart avec rien du tout. Bonne chance à tout le monde les gars. Et on va faire que attention. Que le meilleur gagne. Le meilleur gagne les gars. Premier participant, Lucas. Si t'as une mauvaise note, je pense que ça sera fini pour toi. Les gars, faut qu'il nous choque. Est-ce qu'il va réussir à choquer les jurys? Est-ce qu'il va réussir à avoir le 10 les gars? Avoir des 10, il arrive. Franchement, Raïm, la vie d'expert. Le gars, il est parti debout, il a commencé en frein, il s'est remis sur la bécane. Moi, je mets 7 pour Lucas. Très bon combo, j'aime bien. Les gars, moi, objectivement, je mets 8. Très bon choix, les gars, et il est très petit, et donc je mets 8. Et moi aussi, je lui mets 8 parce que comme il est petit, en plus, il a levé très finement. C'était parfait, presque. Lucas, premier participant, et tu récoltes un total de 23 points comme note. C'est vraiment pas mal. 23 sur 30, les gars, c'est beaucoup plus que la moyenne. Donc, franchement, c'est pas mal. Fier de lui, c'est carré. On passe au prochain participant. Là, les gars, deuxième participant, Lauric, dis-lui les conseils que tu as lui donné, c'est maintenant. Là, c'est fais attention à lui déjà, et il fait comme il pense. Comme il pense. Ok. Ouais. T'as écouté le conseil du coach, fais ce que t'as appris pendant 10 minutes. C'est parti, régale-nous, frérot. J'espère, les gars, qu'il va réussir sa figure. J'ai pas encore vu ce qu'il comptait faire, mais j'espère que ça va être réussi. Franchement les gars, il m'a choqué. Debout sur la moto, c'est comment les gars les notes? Au niveau des notes les gars, c'est comment? Ah les gars, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est très beau. Après, il est un peu plus grand que Lucas, du coup moi pour compenser, je mets aussi 8. Non les gars, c'est un 9 les gars. Oh, il est debout sur la moto, il a levé, il a cassé cousin. Les gars, moi je mets 8. Et toi? Moi les gars, je mets un 7 parce que tout simplement, il a fait la même technique que Lucas, juste il est plus grand. Ça veut dire quand t'es grand, c'est plus simple. Arrête de rager sur le jury. Mais ouais, tu le sais. Il est resté que debout. Pas de contestation avec les juges, sinon tu perds un point. Bien évidemment, les gars, des protections sont à disposition pour chaque participant au cas où s'il veut pas se blesser, les gars. Ça, c'est la sécurité. Et ceux qui veulent pas en mettre, les gars, c'est eux qui ont choisi de pas en mettre. Donc, toi, par exemple, t'as voulu mettre des protections. Ouais. C'est pour ta sécurité au cas où tu tombes. C'est parti, c'est à ton tour. Montre tout ce que tu dois faire pour que tu gagnes. Là, t'as juste un truc, c'est gagner, frérot. T'as dit les termes. Faut que tu gagnes, tu ramènes le cross. Lui, je crois que c'est un des plus grands de tous les participants. Donc, les juges, ils vont prendre ça en compte, bien évidemment. Et là, on va voir si c'est carré. Les gars, franchement, moi je trouve ça pas mal. On va voir les juges qu'ils en pensent. Commence, on laisse Dacos, c'est Dacos commencer. Il met un 8 parce que les gars, il a levé et en levant, il a lâché les mains. Ça, c'est incroyable. Il a réussi à garder son équilibre. Moi, personnellement, le gars avant, il s'est mis debout sur la moto. Là, lui, il lâche les mains. Je prends un 8 debout sur la moto. Du coup, je vais mettre 7, un point de moins. Ouais, les gars, moi je mets 7. Personnellement, il a bien joué, mais avec une technique. Dommage, je devrais faire un combo, il est plus grand. Ça lui fait une moyenne de 22 points, les gars. Tout droit venu du 34. Montre tout ce que tu sais faire. 34, les gars, Montpellier. Il est venu pour prouver dans cette vidéo-là. Je me fais attention à toi, il faut qu'on reparte avec la moto. Pour repartir avec la moto, t'as tout compris, c'est parti. Chaque nous, let's go. Jules Dégas fait partie des plus jeunes participants. Et là, les gars, on va nous choquer ou pas. C'est parti. De ce que j'ai vu, il y a eu deux figures. Lâcher de main plus genou sur la selle. Ça, c'est vraiment pas mal. Les gars, comme il a dit Crypto, il a fait deux figures. Je lui mets un 8. Les gars, par rapport à sa taille, à son âge, il a fait deux figures. Je mets aussi 8, les gars. Moi, les gars, je mets un 8, deux figures. C'est carré pour son âge, c'est nickel. 8 fois 3 est égal à 24. 24. Et du coup, il a un total de 24 points. Ce participant vient d'avoir 12 ans et il a réussi à récolter 24 points. Je pense que c'est une dinguerie. Très fort, hein, très fort. Après la moto, dis-nous les termes. J'ai appris avec une 100 CRF l'année 2008. Après, mon frère, il avait une 110 CRF. J'ai appris à gérer avec. T'as un petit frère qui avait une 110 CRF? Ouais. Un petit frère. Moi j'ai pas ramené la vidéo. Ah dommage, bientôt il passera dans le prochain épisode les gars. Autant sera le prochain participant du prochain épisode. En tout cas 24 points, bien joué à toi frérot. On passe au prochain participant. Les gars, dernier participant à passer et à montrer sa créativité. Karim, t'as 10 minutes, tu viens du 84 Avignon. Et il est accompagné de son coach. C'est ce qu'il a à faire, fais confiance. Tu sais d'où tu viens. C'est parti, choque-les tous. Je pense c'est vraiment serré, c'est vraiment serré. Là c'est soit il se rate et il a pas beaucoup de points, soit il réussit vraiment quelque chose que personne n'a réussi. Et il a que des 10. A mon avis les gars, il a joué vraiment safe. C'est absolument ce que vient de faire le petit de Montpellier. Il a enchaîné deux figures, tout comme le participant juste avant. Go les notes. Les gars, on est en train de réfléchir. Ouais, parce que là c'est le dernier participant. Et on réfléchit, moi personnellement j'ai pas encore ma note définitive. Est-ce que t'as ta note définitive? Moi personnellement le gars, j'ai ma note définitive. C'est un 8 les gars, t'as lâché la main et il s'est mis sur le genou. Il a fait deux figures, un combo comme la note précédente. C'est vrai qu'il a fait comme l'autre petit. Je pense qu'il a bien raison, moi aussi je vais lui mettre un 8. Oh les gars, il y a 5 participants, 5 petits. J'hésite les gars entre deux notes, 8 ou 7. Parce qu'il a 14 ans. Après, et le petit d'avant il avait 12 ans. Les gars, moi je suis honnête, je mets 7.
7. 8 plus 8 plus 7 est égal à 23 points. Ce qui est égal avec Lucas. Mais j'ai 11 ans. Deux participants ont été qualifiés d'office. Ils ont eu 24 points. Le participant de Montpellier, le participant de Marseille qui est juste ici. Il y a eu quelqu'un qui a eu 22 points. À mon avis, ça a dû jouer par rapport à l'âge. C'est pas grave, frérot. Comme on dit, tu reviendras dans une prochaine vidéo. En tout cas, il n'y a pas de souci. Bien joué à toi. Je te serre la main quand même. T'as participé. T'es arrivé loin. Il y a d'autres imposteurs qui sont arrivés bien avant et qui ont raté, tu vois. Donc, quand même, t'arrives à la deuxième épreuve. Et là, il y a un petit problème entre ces deux enfants en motocross, Lucas et Karim. Les deux ont le même score. Juste ici, Karim. Juste ici, Lucas. On les a mis sur deux motos qu'ils n'ont pas l'habitude de conduire. Des motos parmi les plus grandes de leur catégorie. Ici, un 125. Ici, un 250, les gars, KX. C'est des motos vraiment super grandes pour leur âge. Je crois qu'à mon avis, ils n'ont pas l'habitude de conduire ça. Et c'est pour les mettre en difficulté parce que sinon, on va voir qui est le plus fort. Regardez carrément, les gars. Les deux ne touchent pas par terre. Karim, c'est le moment de prouver. T'es chaud ou pas? Chaud, sûr. Lucas, c'est le moment. Chaud ou pas? Chaud. On a rajouté un coach qui se connaissait un peu mieux en moto pour que ce soit plus fair play. Chacun va faire sa création et il y aura des notes. Du coup, après tirage au sort, c'est Karim qui va commencer. T'es prêt, j'espère. Démarre ta moto et choque les juges. Il a réussi à se mettre debout sur la moto, mais pas uniquement debout, debout à un seul pied. Et là maintenant on va voir ce que les gens pensent. Cette figure les gars, il y a personne qui l'a fait parmi eux. Les gars, je lui mets la note de 9. Très belle figure, on voit très bien que la moto, elle est grosse, le petit Karim il est petit. Je mets 8 les gars, je mets 8, la note de 8, c'est magnifique. Les gars, Tarpen danger, vous l'avez vu, il s'est mis debout, il n'y a pas de frein moteur, il n'y a pas de frein du tout. Il fait cette taille là, la moto fait 4 fois son poids, je lui mets un 8. Moi je lui mets un 9, il a 13 ans, il m'a choqué, il fait 1m10, il me régale. Karim, après décision des juges, a réussi à récolter 34 points, énorme, 34 points sur 40. Imaginez les gars, on peut l'applaudir les gars. Franchement les gars, on peut l'applaudir les gars. Vraiment, respect les gars. C'est parti les gars, le petit Lucas va passer. On va voir ce qu'il va faire. De ce que j'ai vu les gars, c'est une tentative de bavette qui a pas frotté. Et en plus de ça, c'est un lâcher de main. Et ça a été réussi. Allons voir les juges, qu'est-ce qu'ils en pensent. Ça a été une belle figure et je lui mets la note de 8. Les gars, j'ai vu ce qu'il a fait, il a tenté une bavette. C'est comme une panenka, mais si tu rates ta bavette, ça diminue la note, donc je mets 6. Moi je l'attribue la note de 7 parce qu'il est petit, c'était une grosse moto, il a lâché la main. La bavette comme il a dit, c'est soit tu tentes, soit tu arrives pas. Si tu aurais réussi, il aurait la note de 10. Il a pas réussi, c'est dommage pour lui. Du coup je lui mets un 7. Et moi je lui mets un 6, j'ai rien à dire. C'était quand même assez serré les gars parmi tous les participants. Si t'avais réussi la bavette que t'as tenté, je pense que t'aurais vraiment frôlé les 40 sur 40. T'aurais vraiment frôlé la note parfaite. Malheureusement la bavette elle est pas passée. Une prochaine fois peut-être. Karim, bien joué, je peux te serrer la main. Lucas aussi je te serre la main. Bien jouer. J'espère que tu vas rester abonné à la chaîne YouTube, comme ça tu pourras continuer à participer aux vidéos. Et vous aussi abonnez-vous pour peut-être être les prochains participants avec Lucas dans la prochaine vidéo. En tout cas, j'espère qu'on garde pour la suite de l'aventure. C'est Karim. Est-ce que tu penses que tu vas jusqu'au bout? Est-ce que tu penses que tu vas repartir avec la moto? On va voir ça tout de suite. Maintenant les gars, on passe à la prochaine épreuve. C'est parti. Il reste que 3 participants les gars. Lorik, Ramazan juste ici, qui vient de Montpellier, et Karim du 8-4 d'Avignon. Top 3 les gars, c'est le podium. Vous pouvez dire les gars que dans le sud de la France, vous êtes parmi les 3 plus forts enfants en moto. Là maintenant on va enchaîner avec la prochaine épreuve les gars. La prochaine étape pour les 3 participants, ça va être une étape de rapidité. Quelque chose qu'on aime vraiment beaucoup en motocross. Vous savez les gars de quoi je parle. Une bavette les gars. 3 participants. Là il y a ici à Karim. Ici Ramazan et ici Lorik. C'est très simple. Vous avez le temps que vous voulez. Les deux. Le premier parmi vous trois qui arrive à faire une bavette, ils vont en finale. Le dernier qui arrive pas à faire une bavette, il est éliminé et peut rentrer chez lui sans rien du tout et sans moto. La bavette, c'est la figure la plus dangereuse et risquée en motocross. Il faut que l'arrière de la moto vienne frotter le sol et c'est super dangereux car dans 90% des cas, ça fait perdre l'équilibre au pilote. Le premier qui fait une bavette est qualifié, le deuxième qui fait une bavette, il est également qualifié. Le troisième, c'est éliminé. Que le meilleur gagne. Les gars, prenez pas de risque, surtout toi, t'es petit. Les gars, bavette, c'est très dangereux. Si tu arrives, tu la fais. Si tu arrives pas, laisse tomber. Parce que si tu tombes, t'es éliminé. Donc vaut mieux pas prendre de parce que si personne réussit la bavette, les gars, l'épreuve elle continue, le cross il est toujours à gagner. Et on va voir ce qu'ils ont dans le ventre. Les gars, imaginez, fait une bavette, je fais fou. Les gars, il est vraiment à ça, les gars. C'est le plus proche, à ça, c'est le plus proche. Pour moi, c'est le plus proche. Karim, Karim, vas-y. Petit Karim, il est aussi à ça, c'est serré les gars. Les gars, c'est vraiment proche, les deux derniers participants, ils ont vraiment réussi à faire un truc choquant. Lui aussi commence. Les gars, Karim, il est à ça les gars, à ça. Ils sont à ça les gars, y'a ça, y'a 1 cm.
Oh non, 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 non. Petit Karim, les qualifiés. Il a fait. Il a fait. Qualifié, les gars, bavette sur bavette, les gars. Ils viennent réussir une bavette à bien frotter en direct. 85 YZ, les gars, c'est incroyable. 85 YZ, c'est encore plus compliqué. Et là, t'es le premier qualifié. On est d'accord. T'arrives en finale. Allez, je te serre la main. T'arrives en finale. Elle arrive en finale, les gars, pour gagner la motocross. Regardez comment elle a frotté. Elle a cramé, les gars. Elle a cramé, les gars. Elle a cramé, les gars. Mais les gars, n'oubliez pas, dans une finale, il y a deux personnes. Et il manque encore un qualifié. Ils sont là-bas. C'est parti. Il n'y a même pas 5 cm, Les gars, il reste qu'une place, Aïe, il s'est mangé. Ça va? C'est ça les gars, partout il y a des risques, je prends pas de risques, j'arrive pas. Le petit il a essayé, il est tombé mais c'est pas grave. La chute elle paraît énorme, mais plus de peur que de mal les gars. Les gars, il y a eu un crash les gars, malheureusement. C'est pas ce qu'on cherche, on demande tout le temps à mettre les protections. Là il y a eu un crash, on prend du temps, on prend une petite pause et on reviendra après. Du coup les gars, pour vous expliquer, il y a eu un assez gros crash. Malheureusement, t'as eu un crash dans la moto. T'es déjà arrivé des crashs comme ça ou pas? Tu t'es relevé comme un homme là, t'es direct déjà les pieds sur la moto frérot. Il est trop fort les gars, il est très très fort. Les gars, pour son âge, on a rarement vu quelqu'un d'aussi fort pour son âge. On a vu le petit Karim dès qu'il était un peu plus petit, Lucas dès qu'il était petit. Et à la relève. Là tu nous as choqué, je te dis les termes. Et c'est pas la dernière fois qu'on va l'inviter dans les vidéos. Il y aura d'autres vidéos où il va reparticiper. Là les gars, malheureusement, avec sa moto et avec son âge, il est tombé et ça devient beaucoup trop dangereux de continuer. Comme la règle, dès que tu tombes, t'es éliminé. La règle les gars, c'était ça. Donc tu rejoins Karim en finale. Pas pareil, ça fera la bavette, mais le coéquipier qui était contre toi s'est crashé avant toi. Donc tu passes en finale. Ramazan, franchement, son cas il m'a fait un petit peu, tu vois, il est tombé les gars. J'ai pas l'habitude de voir des crashs comme ça. Et surtout, c'est la première fois que dans mes vidéos, un enfant de cet âge se crash. Heureusement, il avait les protections, le casque. Heureusement, t'avais mis les protections, tout ce qu'il fallait. Je peux pas te laisser partir comme ça sans rien du tout. Tu vois, t'as quand même montré que t'étais un homme. T'as montré ici que tu savais faire en moto. La bavette a été à ça. T'avais une moto qui était compliquée. On est obligé, les gars, on le fait ça exceptionnellement. On est obligé de faire un lot de consolation. Tu vas repartir chez toi avec quand même de l'argent, tu vois. On va te mettre 100 euros, les gars, deux billets de 50 euros ici. Et ça te permet de partir chez toi. Pas les mains vides, tu vois. T'as du mal, mais quand même, tu vois, tu y es arrivé. Il avait pas la moto la meilleure pour faire les bavettes, donc on comprend. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un prochain épisode avec d'autres abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez affronter Ramazan, les gars, qui est juste ici. Je te serre la main. Et bon courage pour la suite. Soigne-toi bien de tes blessures et nous on va passer à la finale. C'est parti. Ils sont plus que deux, ils ont galéré à atteindre la finale et ils vont devoir s'affronter dans une épreuve super compliquée. Les gars, c'est le moment de la grande finale. Karim du 84, Avignon, Loric du 13, Marseille les gars. Marseille contre Avignon pour gagner cette incroyable moto à 3000 euros les gars. Qui va la gagner? Tu vas la gagner ou quoi? Tu vas la gagner? Sûr. Tu veux Loric. Je la ramène chez moi. Je la ramène chez lui les gars. Les gars, c'est parti les gars pour le dernier challenge, la dernière épreuve ultime pour savoir qui va repartir avec cette magnifique YZ85. Le but pour vous, vous allez utiliser uniquement la moto que vous allez gagner. Pourquoi les gars? Pour une seule et unique raison, pas qu'il y ait triche d'avantage ou quoi que ce soit par rapport à la moto. Ça pourra également vous permettre de voir un petit peu la moto, la puissance de la moto et comment elle est bien. Et les gars, l'épreuve c'est très très simple, c'est qui va tenir avec la roue avant dans les airs le plus longtemps possible. Celui qui met la roue avant sur le sol, c'est fini. C'est fini. Il y aura un chronomètre, chacun va passer et se faire chronométrer. Ça va se jouer au chrono, qui veut commencer? Pierre, Fex, Ciseaux. Okay. Tu veux commencer ou il commence? Commence. Ici j'ai un chrono, Loric, t'as perdu, tu dois commencer. Si la roue touche le sol, t'es automatiquement éliminé, ton chrono s'arrête. A voir si à faire plus ou moins Karim. T'es sur la moto que tu risques de gagner, c'est-à-dire à faire un bon chrono. Dès que tu mets la moto en l'air, je démarre le chrono, quand tu veux. Quand tu veux, tu veux avancer, tu veux dès que la moto ça décolle. Dès que ça lève, ouais, il lance. Karim, 4 secondes 39 les gars. Donc là on va voir si Karim fait mieux ou moins. C'est au tour de Karim. Karim, tu passes les 4 secondes 39, tu repars avec cette moto. Tu repars avec cette moto. Tu fais moins de 4 secondes 39, c'est Loric du 13 Marseille qui repart avec cette moto. Quand 4, tu veux. 4 secondes 39. Le chrono ici, je le lance dès que la roue est en l'air. Ça fait moins frère. Il a fait 3 secondes 68 les gars. Oh là là, t'as gagné frère, je te dis c'est pas fini. Je te jure, il a fait 3 secondes 68 les gars, j'ai lancé dès qu'il a démarré. Oh là là, 3 secondes, Loric du 13. 68. Les gars, ça s'est joué à 1 seconde, 4 secondes 39, 3 minutes 68. Loric, t'as gagné la moto, à vraiment 1 seconde c'est joué. Je peux te dire que tu repars avec cette moto. Merci. Tu repars avec cette moto frérot. Moto Yamaha YZ85. Soyez abonnés, c'est important. Les gars, si vous voulez participer comme lui, soyez abonnés les gars. En tout cas, il repart avec la moto chez lui. C'est parti. Et tu dois aller voir la vidéo où on a rencontré Bounou pour offrir un cadeau à Neymar en cliquant en haut à droite. Clique ici et tu vas voir la vidéo où on a réussi à aller en Arabie Saoudite, rencontrer Bounou et offrir un cadeau à Neymar. Alors clique.